je suis pas historien, mais je me suis basé sur du vécu de moi-même et de mes amis. Je m'appelle Francis Lyon. J'ai travaillé 17 ans dans l'entreprise des chantiers navals saïnois. Et j'ai fait des rencontres fabuleuses. Pour ma part, j'ai pas voulu que tout ce qui avait été vécu ici disparaisse comme ça dans l'oubli. Et j'ai écrit quelques romans qui ont tous un trait avec les chantiers navals de la Seine. Quand nous avons été licenciés, j'ai trop vu de misère autour de moi. Et bon, vous savez, c'était la colère en fait. Il fallait que ça sorte. Et donc je me suis mis à écrire, parce que je ne suis pas un violent, moi. Hein, et je me suis mis à écrire. Donc le premier, c'était, je me souviens, la 8e nef, c'était le nom de mon atelier. Et bon, et partant de là, c'est un témoignage de 17 ans de vie dans les chantiers navals, sur le travail et toutes les luttes qui ont été menées. C'est une façon à moi de les faire revivre, quoi. Surtout les hommes et les femmes qui ont parcouru toute cette panopée, tout ça, tout ce qu'il y a, où il y a purine. C'est fou. Hein. Après vous savez, c'est le goût qui vient. Hein. Je ne pensais pas que c'était autant jubilatoire d'écrire. Et je dis toujours à mes amis, mais écrivez, même si c'est pas bon, vous vous en foutez, écrivez, dites ce que vous avez sur le cœur. Bon, ils ne m'écoutent pas tous. Hein.